Ça vient après justement cette bagarre de 49 et que cette idée berbère était en reflux. Et Sahli lui-même d'ailleurs a évité d'attaquer de manière frontale sous cet angle-là, même si évidemment on peut tirer des conclusions très négatives sur tout ce qui est berbère de son écrit. Alors Mustafa Nachrov, il arrive donc et il se pose vraiment en juge et il délivre la sentence. C'est un ton extrêmement pompeux. Je dois dire, avant de le lire, après j'ai été amené à le lire dans ce qu'il a écrit sur la colline oubliée, mais il est d'une prétention intellectuelle absolument insupportable dans ses jugements. Il décerne des bons points, un tel c'est un bon écrivain, l'autre c'est Assia Jbad, n'a jamais rien compris, sorti de ses affaires de petite bourgeoise, il a quand même fini à l'Académie française, soit dit en passant, etc. Bourboun, kif-kif, c'est quasi un alphabète. Mouloud Feraoun, qui a cultivé l'illusion coloniale dans son journal, est marqué par sa formation d'instituteur, mais un ton, mais vraiment... Alors, je signale à propos de Mouloud Feraoun, j'en parle assez longuement dans le livre, et je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus, que Mouloud Feraoun, on a beaucoup parlé du fait que dans l'œuvre d'Albert Camus, les indigènes algériens étaient absents. Eh bien, Mouloud Feraoun a été le premier à écrire dans une lettre à Albert Camus, le 27 mai 1951, ça à Albert Camus, dans une lettre qu'il a adressée de son poste de Taouirt Moussa, en Kabylie, et il lui a dit « Je regrette fortement que vous soyez senti incapable de parler de nous », et il ajoute « Je sais que ce n'est pas de votre faute, mais c'est ce système colonial qui fait le fossé qui nous sépare, qui fait que vous vous sentiez incapable de parler de nous ». Et il a dit « Je regrette que pour vous, Oran ne soit qu'une simple sous-préfecture française et qu'il n'y ait aucun indigène dans votre roman. » Alors, à l'époque où le petit instituteur écrivait ça, Lachrov, j'ai retrouvé ses articles dans Le Jeune Musulman, faisait l'éloge de Camus, qui parle de l'étranger, etc. Il n'avait pas du tout vu cet aspect-là. Il faudra 10 ans à Lachrov pour comprendre ce que le petit instituteur avait vu en 1951. Parce qu'il écrira la même chose, mais dans les années 60. Voilà. Donc ce mépris-là est quand même malvenu à propos de Mouloud Feraoun. Et Lachrov dit, c'est bien quand un jeune écrivain écrit, nous ne pouvons que nous réjouir de ce qu'un jeune écrivain algérien s'exprime. Lui, par contre, Lachrov lira le livre. À l'inverse de Ouzgan et de Sahli, il lira le livre et il dit mais désormais la conscience de ce peuple affleure de plus en plus à la surface du monde actuel et de ses réalités. Nous ne lui en voulons pas, c'est-à-dire à l'écrivain algérien, de s'exprimer à travers ses maladresses quand même, à condition qu'elle soit sincère, mais quand elle cesse de témoigner d'elle-même, en faussant les actes qui sont les siens, ou en dénaturant sa propre image, nous avons peine à la reconnaître. La construction de la phrase est un peu compliquée. Et c'est un dépaysement semblable qui nous prend à la lecture de La colline oubliée de M. Mouloud Mamri. Alors on voit ici que le ton neutre maquille mal un parti pris quand même, parce que voilà, une œuvre qu'il qualifie donc par ailleurs genre régionaliste, il décèle un parti pris sentimental qui en fait une œuvre stérile, sans véritable élan. Et après avoir brossé tout ça, il va droit au but, lui aussi, parce que malgré tout, la motivation, c'est évidemment la dimension berbère qui dérange. Il n'y a pas que l'amour de la petite patrie qui anime ce livre, il y a aussi la façon presque agressive, injuste, avec laquelle on retranche la communauté régionale du reste du pays. Et de surcroît, l'œuvre serait fondée, nous dit-il, sur de fausses données ethniques, et jugeant grave ce trait du roman, il souligne que c'est précisément ce qui a plu à la presse colonialiste d'Algérie, à tous ceux qui cherchent à nier la vérité historique, adressée les uns contre les autres. Voilà ce que dit Lachrov dans la colline oubliée. Donc pour lui, d'accord, voilà, j'avance, il faut quand même que j'arrête. Alors, il considère que les Kabyles, alors ils sont dans un grand développement historique où il est marqué par l'école française des Annales, il dit que de la même manière que l'Europe méridionale a intégré l'Europe latine, l'Afrique du Nord a vocation à se fondre dans l'espace arabo-islamique
et que des hommes comme Ben Badis, donc qui apprennent la pureté de la langue arabe aux descendants des Bni Hilal, voilà de quoi les Kabyles doivent faire leur figure de proue. Ils ont de quoi se nourrir. Donc la mission des Kabyles, c'est d'apprendre la langue, la pureté de la langue arabe aux descendants des Bni Hilal et de réciter le Coran comme pas comme ça le faire certains chiites kabyles. Bon, je voulais parler de l'appréciation des bons dieux, etc. Et de Tahar Hussein, qui, alors lui, Tahar Hussein quand même, qui est un Égyptien, qui ne décède absolument pas ce retrait agressif de la communauté régionale face à la communauté nationale. Il considère que c'est l'un des plus grands livres écrits en français des années où La colline oubliée a été publiée. Nulle part, il ne partage ce point de vue de la Sharaf. Et il dira que cette... il regrettera quand même que ce livre n'ait pas été écrit en arabe, mais il salue le livre, et nulle part, il voit un roman anticolonialiste, et les exactions des caïds sont décrites de manière très précise, etc. etc. Donc le point de vue de la Sharaf n'est pas partagé par quand même Tahar Hussein, qui est, au niveau de la littérature arabe et autre chose, que ce que... ont écrit l'Ashraf et Hamtal. Alors je termine en disant que tout ce beau monde-là va se retrouver après l'indépendance et qu'ils critiqueront de nouveau Mabri et que lequel Mabri en 80 retrouvera les mêmes accusations. Et en 1967, alors qu'il était président de l'Union des écrivains algériens, il en démissionne parce qu'on lui, lors de la guerre israélo-arabe, on lui a reproché de ne pas avoir fait de communiqué pour soutenir le peuple arabe en guerre contre l'État d'Israël, et il a dit que voilà, il se sentait pas en devoir de le faire, que pour le Parti unique c'était une organisation de masse, donc il fallait qu'il soutienne. Il dit, si c'est ça que vous attendez de moi, eh bien cherchez un autre président à cette Union des écrivains algériens, et il en a démissionné. Et cela lui vaudra évidemment énormément d'attaques qui remettront à l'honneur ces attaques contre la colline oubliée, et on le lui rappellera toujours. Et Ahmed Talob en particulier, quand il sera ministre de l'Éducation nationale, c'est lui qui supprimera le cours de berbère de Mouloud Mabri en 1973. Il n'était pas ministre à cette époque-là, mais c'est lui qui avait fait tout ce qu'il fallait pour le faire. C'était Ben Yahia qui était ministre de l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, il en fait une relation que rapporte dans ses mémoires qui est absolument erronée et mensongère. Mais c'est à partir de 80, par contre, quand on réitérera ces mêmes accusations en disant que Mouloud Mabri a refusé de signer un manifeste favorable au FLN en 1956, qu'il a écrit un texte, Les Chacals des Aurès, etc. Là, la propagande qui avait été efficace, qui avait fonctionné en 1953, a eu un résultat exactement opposé à cette texte, à cette littérature de 1953, parce que ça a suscité un élan de solidarité absolument inédit, et ça l'a porté, ça l'a fait malgré lui, un porte-parole de tout un peuple à cette occasion. Et il a fait une lettre, une réponse, alors là où il s'assume complètement, contrairement à cette réponse à Sahli, qui mérite vraiment d'être lu, parce qu'il a été qualifié de donneur de leçons par tout ça, il a commencé à s'effondrer. Néanmoins, même après 80, l'Ashraf trouvera des émules en la personne en particulier, Christiane Schröder-Hachon, puisque dans sa thèse qu'elle publiera en 1985, elle reprend absolument tout ce discours-là, qui était déjà devenu suranné. Voilà, je m'excuse d'avoir été aussi long. Merci beaucoup au professeur Sahli pour son exposé très éclairant et très riche, très dense en informations et aux idées qu'il a su exposer au second 2. L'intérêt de son livre, et je le rappelle, c'est non seulement d'avoir restitué l'ensemble des idées qui ont été produites en 1952, mais l'intérêt est d'actualité. C'est-à-dire que ces idées qui ont marqué la décennie 50, on les retrouve aujourd'hui, agiter le monde des idées. Non seulement en Algérie, mais dans l'ensemble des pays de l'Afrique du Nord, voire même à peu près dans une dizaine de pays. Le Niger, le Mali, Abdoulaye est ici présent pour vous parler du Niger et du Mali, et d'autres pays. Donc les idées de Mabri, les idées qui ont
secouer la décennie 50, on va les retrouver encore aujourd'hui, agiter le monde des idées, et c'est ce qui fait un peu l'intérêt du livre de Hend Saadi, qui est un livre mais extraordinaire, moi je l'ai lu d'une seule traite. Il a aussi un autre mérite, c'est la préface de Nabil Farès, de l'écrivain très connu Nabil Farès, je crois qu'il enseigne à Grenoble, il me semble. Il est à la retraite, psychanalyste. Voilà. Et puis il y a une plus d'une centaine de pages d'annexes dans ce livre, et c'est-à-dire que tout ce que Hend Saadi a écrit, il va l'étayer par des annexes, plus d'une cinquantaine de pages d'annexes, où il va produire l'ensemble des critiques qui ont été écrites pendant cette décennie dans la revue Jeune Musulman et dans d'autres journaux sur l'œuvre de Marie. Je m'excuse pour tout à l'heure parce que j'avais confondu, excusez-moi, elle mettait ça sur le compte de la fatigue, entre Jean Sénac et Christian Achaud. Je voulais parler de Christian Achaud, parce que j'ai lu la critique de Christian Achaud sur l'œuvre de Marie, et c'est la question que je m'étais posée, alors qu'elle n'était pas du tout contemporaine de Marie. Sa thèse a été soutenue, je crois, en 86 ou 87, mais je crois que c'est sous l'influence d'Ulchoff, et qui a... Donc Christian Achaud s'est mis aussi de son côté à vilipender l'œuvre de Marie. Le deuxième point que je voulais revenir, mais très rapidement avant de vous donner la parole, c'est justement la... Hend tout à l'heure avait évoqué Cheikh Ibn Baslen. Effectivement, Cheikh Ibn Baslen a joué un grand rôle dans l'influence des nationalistes maghrébins et dans l'orientation politique arabo-islamiste, notamment pendant les années 30, puisque lui est émir, Cheikh Ibn Baslen est émir. C'était un musulman druze du Liban et qui avait beaucoup influencé Mselli El Hadj. C'est lui qui l'a éloigné du Parti communiste. Et c'est lui qui lui a donné, si vous voulez, qui l'a influencé sur l'orientation du mouvement national, du PPMTLD, à adopter l'axe arabo-musulman. Parce qu'il faut rappeler que pendant cette période, Hend avait parlé tout à l'heure de ces jeunes militants, etc., qui défendaient une Algérie algérienne dans laquelle la dimension berbère, historique, culturelle et linguistique serait prise en charge. Et une Algérie arabo-musulmane de laquelle sera exclue la dimension berbère. C'était en gros, pour schématiser, pour aller vite, les deux, j'allais dire les deux thèses en opposition et qui ont pratiquement explosé, surgi notamment avec la crise de 1949. Et pourquoi Cheikh Ibn Baslen avait pesé tout son poids? Parce qu'il disait que les Aurès, les Kabyles, etc., c'est des ignares, c'est des ignorants qu'il faut arabiser, ils ne comprenaient pas trop, etc. Et c'est un Cheikh Ibn Baslen est germanophile, parce que les accords de Sykes-Picot avaient mandaté, la SDN avait mandaté la France et la Grande-Bretagne pour se répartir le Chem, Bilad Chem, c'est-à-dire le Levant. Et c'est à cause des accords de Sykes-Picot, 1916, que Cheikh Ibn Baslen est très germanophile. Il est devenu citoyen allemand, sur décision de Goebbels. Et c'est lui qui était chargé donc de la propagande allemande dans les pays arabes. Et beaucoup des dirigeants du mouvement revivaliste musulman de la Nahda étaient des germanophiles. Ils étaient anti-britanniques et anti-français. Et beaucoup aussi ont été formés par des militaires turcs pendant l'Empire ottoman. Et ces militaires ont influencé beaucoup de soldats arabes, etc., qui étaient formés par des militaires turcs. Alors, je termine simplement par vous dire que tout l'intérêt, moi, que j'ai trouvé à lire ce livre, très intéressant, très éclairant, qui a su très très bien synthétiser l'ensemble de ses critiques, c'est un livre qui effectivement, c'est essayer de retracer toutes ces idées exprimées en 1952, mais qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui, agiter le monde des idées dans tout l'espace maghrébin, dans tout l'espace subsaharien, etc., à savoir quelle orientation, qu'est-ce que c'est que la dimension berbère, est-ce qu'on doit la prendre en charge, etc. C'est un livre extraordinaire. Hend Saadi a eu donc l'amabilité de ramener une dizaine d'exemplaires. Je vous conseille donc de l'acheter. Il coûte 10 euros. Pour ceux qui veulent l'acheter, il sera donc préfacé par le professeur Saadi. Je vous remercie. Donc pour ceux qui veulent intervenir, pour prendre la parole, je vous invite à poser des questions si vous le souhaitez. Et Saadi va...